dans l'actualité de ces premiers jours de septembre, il y a bien évidemment la rentrée littéraire. Jean-Michel Espitalier, écrivain natif de Barcelonnette, vient de présenter et dédicacer son nouveau livre intitulé « La première année », ouvrage dans lequel il évoque la disparition de sa compagne rongée par le cancer, une chronique de la fin de sa vie de femme et d'une année de deuil. Donc c'est un livre qui est paru en National avant-hier. Et je suis particulièrement ravi et fier de faire ma première signature à Barcelonnette, qui est ma ville de naissance, chez Laurent à la librairie Imaginée, qui est un libraire ami. C'est un livre qui est une sorte de journal, en fait, une sorte de journal de deuil. J'ai perdu ma compagne il y a 3 ans et demi et j'ai eu tout d'abord le besoin d'écrire, enfin de poser des mots sur cet événement, qui est toujours un événement considérable. Et j'ai senti qu'à un moment ça pouvait faire livre. Un livre, c'est aussi quelque chose qui se construit peu à peu. Et donc c'est devenu en même temps qu'un geste littéraire, enfin de travail, c'est devenu aussi une sorte de rituel. Et c'est vrai que quand j'ouvrais mon dossier sur mon ordinateur, le dossier de ce livre, j'avais l'impression d'aller au cimetière en quelque sorte. Il y avait une sorte de rituel, enfin c'était un geste symbolique, quoi. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé pour traverser cette période de deuil, qui est toujours une période étrange parce qu'à la fois c'est très banal de perdre quelqu'un parce que tout le monde meurt et qu'on a tous malheureusement des proches qui meurent, qui sont morts. Et en même temps, c'est individuellement toujours une expérience unique et qui nous paraît l'expérience la plus considérable, quoi, et la plus déstabilisante. Voilà. Ça reconfigure aussi notre rapport au réel, c'est-à-dire aux objets, à la maison, aux amis, et surtout au temps. Moi, c'est un livre qui parle beaucoup du temps, de la question du temps qui passe. C'est un livre où j'essaie de poser qu'est-ce que c'est que voir mourir quelqu'un, quoi, qu'on aime et quelqu'un qui nous est proche. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe après, voilà. Donc finalement, ce livre s'appelle « La première année » parce que j'ai essayé d'interroger de manière clinique, hein, d'explorer de manière clinique qu'est-ce qui nous transforme et qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de traversée de malheur, parce que c'est quelque chose de très dur. Et en même temps, redécouvrir le rire à un moment, redécouvrir des choses plus futiles, mais qui sont toujours hantées par cette question de la disparition. Voilà, donc la première année qui est parue aux éditions Inculte, c'est une marque d'Actes Sud qui est en vente dans toutes les librairies, et évidemment, et particulièrement à la librairie Imaginée Place Manuel à Barcelonnette. Voilà.